Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, vous êtes sur Subnautica en VOD. Donc pourquoi je dis ça VOD? Parce que c'est pas des épisodes de 15 minutes, c'est vraiment des épisodes de 1h, 1h30, voire 3h comme le premier Let's Play. Donc là, il y a plusieurs VOD qui sont en tournage, je vais vous les poster au fur et à mesure. Donc au début, je voulais vous faire une grande découverte et voir avec vous les points stratégiques et tout ça. Le problème, c'est qu'hier, quand j'ai voulu tourner une vidéo, bah j'ai carrément ma Switch qui a craqué. Bah ouais, parce que là, je suis sur Subnautica de la Nintendo Switch qui est sortie le 15 ou le 14 de mémoire. Il est disponible sur l'eShop et de mémoire, il est aussi disponible au format physique. Donc si vous avez la réponse, j'ai pas regardé encore hein, sur Amazon, Cdiscount et tralala, à voir. Mais du coup hier ça a crashé, j'ai pas pu faire mon épisode comme je voulais, j'ai perdu pas mal de data. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé une balise et on va aller voir ensemble ce qu'il y a au niveau de la balise. Donc la balise 1, si vous vous souvenez, c'est là où il y a l'île alien que j'ai toujours pas explorée, faut que je le fasse. Et la balise 2 justement, c'est ce qu'il y a et c'est là c'est ce qu'on va construire ensemble. J'ai prévu pas mal de trucs, donc on va voir ensemble. Donc déjà pour commencer, là où il y a la nouvelle balise, il va y avoir le chargeur de pile. Donc pour faire le chargeur de pile tout simplement, donc vous prenez hop, je cherche le nom, voilà, le constructeur d'habitat tout simplement. Ensuite vous appuyez sur ZR et puis là voilà, ensuite vous avez ce que vous voulez ici. Donc par rapport à l'épisode où je construis, voilà, il n'y a pas grand chose de nouveau. Mais du coup le chargeur de pile, il faut ça, le kit de câblage. Donc pour avoir le kit de câblage, il faut 2 minerais d'argent de mémoire, le fil de cuivre, il faut 2 minerais de cuivre. Et du titane, il faut du titane. Donc le titane, généralement, soit vous le récupérez, soit il y a des fragments, et puis voilà, vous êtes tranquille. Donc moi, pour assurer l'énergie, pour le moment, vous avez vu au niveau de la puissance, j'ai un bioréacteur. Du coup, il me suffit dans le bioréacteur de mettre des champignons, ça consomme des champignons. Mais comme là, j'ai rien qui consomme en ce moment, du coup, le bioréacteur, il fonctionne pas. Il fournit de la puissance, mais voilà, puisque sinon, il faudrait que je remette à chaque fois des champignons. Mais tu peux mettre n'importe quoi dedans, hein, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Là, pour l'instant, j'ai laissé deux couloirs, on verra ce que j'en ferai après. Ici j'ai mis deux nouvelles armoires, donc ça vous les avez pas vu, je les ai construits off et c'est par rapport à mon crash. Derrière j'ai mis aussi, c'est très très important, c'est pour renforcer la structure. Donc là pareil je fais ZR et du coup pour renforcer la structure, je vais y arriver, je fais une consolidation. Donc il faut 2 lithium et 3 titanes. Donc pour le lithium bah voilà, faut le trouver, faut explorer tout ça. Donc j'ai recréé ça, ça m'évite de remonter dans la capsule de sauvetage. Donc la radio. Et puis ça pour le soin, voilà, tout simplement. Là, dans cet épisode-là, ce qu'on va construire, c'est ensemble, c'est ça. Donc la salle de scanner, vous avez vu, donc là, c'est en vert. Quand t'as pas les... alors là, qu'est-ce que j'ai pas? Bah là, évidemment, je vais tout avoir. Mais là, tiens, par exemple, pour le renforcement, j'ai pas le lithium, c'est en rouge. Quand c'est en vert, c'est que t'as tout, donc tu peux construire. Donc là, j'ai 5 titanes, j'ai du mining de cuivre, j'ai de l'or, j'ai de l'échantillon de corail plat. J'ai des lingots de titane, donc les lingots de titane, il suffit de prendre du titane, t'en prends 10, tu vas dans le modificateur, plaf, tu le mets. Le lubrifiant, c'est avec les trucs d'Odin, là, anodin ou odin, et le plomb, tu le trouves aussi dans l'eau. Ok? Donc voilà. Donc là, je me suis fait des armoires avec plomb, cuivre, quartz, argent, caoutchouc, soufre de cave. Donc ouais, c'est marqué comme ça, parce que du coup, t'es limité en écriture. Là il y a mon vrac, grosso modo c'est des trucs que j'ai récupéré, pour l'instant je m'en sers pas, voilà. Le diamant, l'or, le corail, du titane, du lubrifiant, comme ça on est tranquille. Donc là aujourd'hui on va construire ensemble donc ce machin là et ce machin là, la salle de scanner. Donc je pense que pour la salle de scanner il va falloir aller dehors, on va aller dehors. Tranquillement. Et il y a encore plein de trucs à récupérer, hein. Franchement la zone elle est immense. Ce que j'ai essayé aussi c'est d'aller plein sud par là, à plus de 2000 mètres. Donc 2 km, le problème c'est que si t'as pas vraiment farmé le truc, donc c'est à dire ton Simos il peut descendre qu'à 200 mètres et t'es baisé, parce que en fait le jeu c'est par zone, et là si tu vas à 2000 mètres sud, tu peux pas descendre profondément pour récupérer ce qu'il faut, t'es vite fait coincé quoi, c'est un peu la baise. Donc là on va essayer de construire notre truc ici, ou dans le coin là on va voir, mais on va faire ça, et on va voir comment on peut le construire. Donc là le placement hop. Donc là faut que je le place là. Et si je le place là. Ok. Ça a l'air d'être un peu chelou quand même hein. Alors je sais pas pourquoi il va pas. J'espère que je vais pas inonder tout. Ah, on va le mettre là. Est-ce
Est-ce qu'il va y avoir une communication? J'en sais strictement rien. Ah là, t'es sur Switch, ça ramouille un peu. Hein. Et du coup, j'ai pas de communication. Ouais, donc c'est super fort. Caméra, ça, déconstruire, ok. Mais c'est pas mal, parce que du coup, j'ai construit là, mais j'ai pas de contact. Il a fallu que je le tourne. Donc on va le déconstruire. Le gros avantage de pouvoir déconstruire le truc. Voilà. Alors ce qui m'étonne c'est que... Ah oui, je peux le tourner. Ah bah c'est pour ça. Hop, on va essayer de le placer à la suite. Alors là, c'est un peu galère. Franchement, là... Ah putain, évidemment. Excusez-moi pour les gros mots. Alors ce que j'aimerais c'est le mettre là. Mais si je peux pas... Ah d'accord, la rotation elle est vraiment bizarre. Ma salle de scanner... C'est de le construire comme ça, on va voir. En plus, je vais avoir des problèmes des... Hop, on prend un peu d'oxygène. Voilà, mais je sais pas comment faire pour si je peux construire un truc entre les deux ou pas. J'en sais strictement rien. Est-ce que je peux, ce que je peux pas, c'est une bonne question. Je vais voir. Sinon je... Faut que je réfléchisse à ça. J'ai dû faire une connerie pour pas pouvoir les coller ensemble. Hop, on va les voir ensemble. C'est pas grave, c'est en forgeron qu'on apprend à être forgeron. Donc c'est vraiment un excellent jeu, moi je vous le conseille, hein, sur Nintendo Switch. Bah normalement je pourrais là, c'est bizarre. Je vais voir un peu ce qu'il me faut, mais je pensais que ça allait être plus simple. Donc deux titanes, je vais reprendre deux titanes, là dans le coin je dois en avoir. Ça va être chaud pour le titane. Ah par contre là j'ai mon quartz qui est pas au bon endroit, je vais voir quoi. Ou peut-être parce que mon quartz est déjà plein alors. Si je l'ai mis là... Ah, mon quartz est déjà plein. Ce que vous voyez, c'est du verre renforcé en fait, hein, tout simplement. Hop. Là, avec le quartz. Je vais prendre deux titanes, je vais voir. Sinon, je le passerai autre part. Donc là, je peux pas. Mais normalement, je peux là. Donc s'il m'autorise à faire une extension, ok, mais s'il veut pas, c'est mort. Hop. Il y a le truc en vert là. Du coup, compartiment vitré basique, faible intégrité structurellement. Compartiment basique en forme de tube, ok. On aurait pu faire du vert, mais bon. On aurait pu faire du vert. Je crois que j'en ai du vert. Ah merde. C'est ça que je voulais faire. Je crois que c'est deux quartz pour un verre, un truc du genre. Ah c'est ça. Ok super. Et il va me falloir encore un verre. Là, j'en ai pas. Je pense pas en avoir là-dedans. Donc j'ai ramassé des trucs, c'est vraiment à titre expérimental. Là, ça, je vais avoir faim, donc hop. Ah merde, ils étaient pourris. Oh, je me suis fait coincer. J'ai pas fait gaffe. Bon, bah du coup, on va faire une petite pêche ensemble. Hop, quartz. Et voilà, comme ça on va essayer de construire ça, voir un petit peu.
Le verre, de toute façon, c'est pas perdu. Il va me falloir de l'eau aussi. Ça, il va falloir vraiment que je trouve le système pour la filtration d'eau. Je l'ai, mais il me manque l'aérogel et j'arrive pas à trouver l'aérogel. Ça me gave parce que du coup, l'eau courir tout le temps derrière les pochons là, ça va 5 minutes, mais. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Si je peux le faire, tant mieux. Si je peux pas le faire, bah, je mettrai mes deux verres. Oula, oula, oula. Je sais. Voilà, là je peux le faire. Ah! Viens par là, toi. Super. Impeccable. Bon, bah du coup, on va aller vite fait chercher des pochons pour avoir de l'eau. J'ai mis un attrape-poisson aussi. Enfin, assez. Ce truc-là, là. C'est super bien. Ça t'évite d'aller pêcher trop loin. Voilà, là t'as à manger, t'as à boire. Quand il y a des pochons, hein, évidemment. Hop. Ça attire des petits trucs, mais même les rôdeurs, hein, ça te les prend. Ah, viens par là, là. Voilà. Et il faut. Donc là, je suis comment là? Là, je suis full. Parce que du coup, j'avais prévu une autre construction. Donc au début je vous l'ai dit c'était un truc en vrac. Bon c'est pas que j'ai changé d'avis hein. Mais je pense qu'on va pouvoir augmenter notre base après. Donc je préfère partir là dessus, partir sur un petit truc et développer peut-être un peu plus loin ou... Je vais voir. J'ai plusieurs idées en tête, je vais prendre celle qui me semble le mieux au moment où je vais être dans le truc quoi. Il est aussi disponible sur PS4, vous pouvez le prendre sur PS4, donc PS5 aussi. N'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est vraiment un excellent jeu. Moi personnellement, je kiffe à mort. Voilà, hop, hop. Et on va aller chercher de la flotte. Bon là, j'ai mangé à foison. Donc ça, le truc de snack, ça sert strictement à rien, c'était pour la déco. Et la poubelle, c'est pas mal, c'est pour se débarrasser de trucs, éviter de les mettre... Donc là, il y a des graines, ça va servir pour le bioréacteur quand je vais consommer. Allez, on va chercher des pochons. Ouais, je sais. Donc j'en ai de l'eau, hein. Mais là c'est de l'archi bonne eau et j'ai pas envie de la prendre. Par contre pour trouver les pochons là c'est compliqué. Dès que t'en vois, tu cours derrière quoi. Et si j'arrive à trouver l'aérogel, après je serai tranquille. Parce que je vais vous montrer juste après là quand on sera sur le truc pour fabriquer. Il n'y a pas un pochon quoi. Donc pas mal à la base on était parti sur la construction, on se retrouve à faire de la survie. Donc tu peux prendre le jeu sur la survie. Hein. Ah là il y en a un. Tu peux prendre le jeu sur la survie. Merde il est où? Là. Le truc c'est... Je trouve que ça enlève vraiment une grosse partie au jeu. Parce que si t'as pu... La soif, la faim, la vie et tout. Bah en réalité c'est pas comme ça. Bon après un constructeur ça existe pas pour le moment. On est d'accord. Mais au niveau survie, voilà. Après c'est mon point de vue, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit, j'attends votre retour. Donc là il y a la première vote de 3 heures qui est disponible. J'attends vos retours et tout ça pour savoir si on se lance ou pas sur un Twitch live, un YouTube live ou si on continue en système de vote. J'attends vos retours et puis voilà quoi. Putain, là. Et là, il y en a deux. On va essayer d'en pêcher deux. Voilà. Et l'autre, il est où? Là. Oh, bien. C'est comme l'oxygène. Tu peux jouer sans problème d'oxygène, mais voilà, quand t'es dans l'eau, t'es à la piscine et tout. Franchement. Bon par contre bah, ça durcit le jeu, ça c'est clair. Tu peux plus jouer en mode smooth, child. Tu meurs un nombre de fois incalculable parce que du coup tu calcules mal et tout. Après, c'est ce qui fait le jeu. Moi là où j'ai vraiment cramé un câble hier, c'est quand la Switch elle a freeze et que j'ai perdu tout ce que j'avais fait quoi. Parce que je m'étais vraiment bien avancé. Voilà, c'est vraiment dommage. À cause de la Switch.
Et du coup, je me tâte vraiment à le mettre sur Xbox Series X, quoi. Ou sur mon PC. Voilà. Et ben, j'ai commencé déjà sur Switch et je veux voir ce que ça donne à la fin, quoi. Quelques petits bugs là. Donc là, pour l'enlever, j'ai appuyé sur B, hein, tout simplement. Là, j'ai pas fabriqué de l'eau. Hop. Et après, on va aller explorer la fameuse île alien ensemble. Donc, on se fait un petit let's play d'1 heure aujourd'hui, tranquille là. On se prend pas la tête. Oui, on y va, on y va, on y va, t'inquiète pas. Quand tu pars en excursion, par contre, prends de l'eau, parce que sinon, tu vas te faire tricard. Hop. Et ben voilà. On a mangé, on a bu. Là, on va essayer de construire le truc là. Parce que du coup, j'ai mis un tunnel. Oh, d'ailleurs, on a même pas été voir le tunnel. Mais le tunnel, il me donne. Ah, bah voilà. Ouais, c'est joli. Voilà. Comme ça, on a une petite vue. Impeccable. Donc, le chargeur de pile, franchement, c'est bien aussi, hein. Ça t'évite de créer des piles et tout. Après, il faudra trouver le chargeur de super piles. Donc là, est-ce que je vais pouvoir construire le truc comme je veux? C'est la bonne question. Parce que du coup, c'est en pending là depuis tout à l'heure. On était parti sur ça et j'ai ça aussi à construire. Hein. La chambre d'immersion. Hein. Donc la chambre d'immersion, grosso modo, c'est pour le CMOS. Là, si je la mets là, ça va pas le faire. Là. Si je la mets comme ça. Oh, c'est chelou ça. Hein. J'arrive pas à la mettre. Je ne comprends pas. Ah, là. Ah, je vois pas trop là. Comment on peut. Ah, ouais, d'accord. On peut peut-être rentrer dedans comme ça, à voir. À voir, à voir. Oh, c'est chelou là. Je crois que j'ai pas le compas dans l'œil. Hein. C'est peut-être pour ça en fait. Ah non, je suis carrément loin. Bah ouais, c'est pour ça. Je comprends mieux. J'avais carrément pas le compas dans l'œil. Je crois qu'on va y arriver un jour. Hein. Hop, hop. Alors, on recommence encore une fois. Ah, là on peut le faire. Eh ben on y va. Normalement j'ai un accès. Ouais, on y va. Ouais, c'est joli. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Non, mais c'est sérieux là? Ah oui, tu m'étonnes que ça passait. Plus dans la nuit, c'est pas terrible. Bon, moi je le veux là, qui se colle à ça. L'entrée, ça serait par là. Salle des scanners. C'est caméra à 11 mètres. Ok, bon. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le construire correctement. Mais...
prendre un peu d'oxygène. Voilà. Donc, on repart. Alors. Ah voilà. Là c'est bon. On va pouvoir se faire plaisir maintenant. Donc on a une salle de scanner. Par contre ce qui m'inquiète c'est que... Hop. Pas comme ça, donc à voir comment ça va tenir au niveau de l'intégrité. Et on a une salle de scanner très très important. Là on commence à avoir une vraie base, hein. Bon, là les côtés on verra après. Là c'est une salle et voilà une salle de scanner. D'accord, utilisé pour alterner les caméras. Là. Ah ouais, carrément. Où je peux carrément aller où je veux. Ok, ça c'est cool. Donc on pourra se faire une expédition. Alors, dendrodeur, débris de métallique, dépôt de sel, minerai de cuivre. Attends, numérisation. Ah ouais, on peut sauter avec X. Je savais même pas. Là, j'ai un fabricateur. Et là, j'ai... Ah, merde. J'ai un truc pour... Amélioration de salle scanner. Ah ouais. Alors, puce magnétite, circuit intégré, drone caméra, amélioration de vitesse pour salle de scanner. Bon, c'est minerai d'urgence, ça je peux faire l'amélioration. Et puis, magnétite. Ok, mais je sais pas si j'en ai assez de la magnétite. Après, faut que je retrouve... Je sais pas où ça va être. Ça va pas être là. Diamant, or. Je sais que j'en ai, mais quelque part. Peut-être avec le plomb. Non, le plomb, je crois que j'ai tout. Ah oui, là. Là, j'ai du diams. Lithium. Là, j'ai de la magnétite. Voilà. Faut que je regarde ce qu'il me faut pour un circuit intégré. Kit de câblage avancé. Donc fil de cuivre, or et échantillon de corail. Alors, du cuivre, j'en ai là. J'en ai peut-être assez. De l'or. De l'or, j'en ai là. Et du corail, j'en ai là. Donc j'ai bien fait de farm. Un petit peu. Non. Faut que je fasse le fil de cuivre. Ok. Donc on va voir pour faire un circuit intégré avec l'autre truc là pour accélérer. Il manque un échantillon de corail. Les ressources ça dégage vite. Hein. Même si tu fermes beaucoup, ça dégage vraiment vraiment vite. Et j'ai pas encore tout. Après on va faire un petit tour ensemble sur ce que j'ai. Je peux faire le circuit intégré. Voilà. Il y a pas mal de choses, mais par contre pour construire, je te dis là je suis baisé avec l'aérogel par exemple. Voilà. Donc là je crois que je peux utiliser ça.
émettre, je sais plus où c'est créé. Batterie de capacité. Je sais même pas où ça a été créé. Je l'ai récupéré, mais je sais pas où il est. Alors là, c'est fort. Ok, j'ai créé un truc, mais je sais pas où il est. Puce UHD. Bah, ah ouais. Attends. Non, c'est pas avec ça quand même. Non. Je cherche ma puce UHD, je sais pas où elle est. Ok. Donc là, non. Donc là, on va y faire un tour après. Ça, on va le construire. Mais je sais pas où est ma puce UHD. Ah là. J'avais créé le circuit intégré. Il y a un problème là. Ça, c'est chiant. Bon. Bah, je sais pas où j'ai mise. J'ai bien créé un circuit intégré, mais. Donc là, par exemple, on a l'immunisation du minerai de cuivre et quand on va sortir dehors, je suppose qu'on va voir tout le cuivre. Donc là, on a la zone, voilà. Mais par contre, j'ai bien créé le minerai de cuivre, mais je sais pas où il est. Minerai de cuivre avec de la magnétite. Ça c'est fort. Ah ouais. Là j'ai un truc, mais tout à l'heure. Donc mon circuit imprimé n'a pas été fait. Parce que je le retrouve pas. Je devrais l'avoir. Ah oui, il est là. D'accord, puce UHD pour salle de scanner. Ah, transfert de données. D'accord. Ok. Amélioration de vitesse, minerai d'argent. Ça j'ai déjà fait, je crois. Non? Non, j'ai pas fait ça. J'ai fait ça. Amélioration de portée. Minerai d'argent et or. Alors, de l'argent. Et de l'or. Voilà. Donc vraiment vraiment intéressant. Ah ouais, mais là hop. Voilà. Ça, on verra plus tard pour le drone. Ok. Ça c'est fait. La nourriture c'est bon, ça c'est bon. Et il nous reste encore une construction à faire. Et après on va faire un petit peu d'aventure ensemble. Ce que je voulais faire c'était voir avant avec le quartz pour faire une salle de verre. Pour faire deux jonctions. Voilà, je vais placer ça. Donc ça va falloir que je le crée après quoi. Mais là j'ai des diamants. Et j'ai de la magnétite.
Vendeur. En nourriture, on est bien. En eau, on est à peu près bien. Voilà. Ce que je voulais voir, c'était ici, si je pouvais créer autre chose, une annexe, un truc du genre. Voir ce que ça pouvait donner. Je suis pas convaincu, on va voir. Oula. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Oh putain, il manque du verre! Oh, c'est abusé. Ah bah ouais, j'ai pris le quartz et j'ai pas fait du verre. C'est moi le gogol. Mais là, il y a du thé très 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 très, très lourd qui arrive. Et il faut pas hésiter à explorer les fonds. Il y a plein plein de trucs à trouver. Hein. Là, franchement, les deux trucs où j'ai trouvé, c'est en allant vers l'île aux aliens. Enfin, à l'alien ou aux aliens. J'ai découvert du lourd. Là, le chargeur de batterie. Et puis la salle là que je viens de construire, c'est ici que je l'ai trouvé. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Et de l'autre côté, je crois que j'ai la pierre, donc ça va être chiant. Hop. Non, c'est pas ça que je veux. Hop. Ah, je peux pas avec la pierre. Ouais. Donc là, ça peut être une entrée normale, on verra. Je savais que ça allait être la merde. Il y a juste ça là, en vrac comme ça là. C'est chaud. La salle des scanners. J'ai une caméra là. Là, on verra s'il y a une autre salle. Il manque du verre encore. Putain, ça s'arrête pas. Là, j'ai un coude, je pourrais ajouter un coude. Ok. Donc on va chercher une autre salle de verre. Donc là, par exemple, une salle multifonction, un exemple, on pourrait mettre ça là. Ou une salle de stockage. Hop, hop. Faire attention à l'eau. Caoutchouc, l'argent, le quartz. Donc là, tu vois, alors juste à construire, ça bouffe énormément de place. Hein. Enfin, tu bouffes énormément de ressources. Donc t'as que la salle de scanner, c'est vachement plus simple après de trouver bah, ce que t'as besoin, quoi. Hop, non, c'était là. Du coup, on voulait mettre un tube en verre. Oh, viens par là, toi. Voilà, c'est quoi ce délire? Et voilà. Quoi? Je peux pas. Pas d'énergie, j'en ai. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Bah pourtant j'avais bien pris du verre, non? Ah ouais? Non, bah j'ai pas dû... Je dois pas avoir assez de verre. Ça doit être pour ça. Faut juste que je regarde aussi, c'est la puissance. Puis après on peut mettre d'autres entrées un peu plus loin pour éviter à chaque fois de faire le tour. En puissance 725, ouais, ça consomme pas des masses, c'est bon. Et comme je te le dis, hein, t'es pas obligé de copier
telle ou telle personne, tu fais ce que tu veux en fonction de ce que tu veux. Te prends pas la tête. Donc là, hop. Nickel. En plus, il y a une structure comme ça, c'est impeccable. Et donc, pour notre truc, donc là, ça, c'est pour le notre vaisseau. Hop. Par contre, ça, lui, je peux pas le tourner, tu vois. Et je sais pas si, je sais même pas s'il va se coller. Non, il va même pas se coller, le bâtard. Ah, excusez-moi pour le gros mot. Ah, si, il se colle, c'est bon. Là, il y a la salle des scanners est fait. Donc, comme ça, on est tranquille. Donc là, c'est tout en longueur. Après, on verra pour mettre des entrées, des sorties et tout ça. Après, on peut créer des entrées, des sorties où on veut. Donc là, je vais prendre mon CMOS. Voilà. Et je vais vous montrer. Parce que hier, voilà. Si je vous dis tout ça, c'est parce que hier, en fait, ça a crashé ici, quoi. Quand j'ai créé ce truc-là, ça m'a gavé. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Et là, ça se fait tout seul, voilà. Tout simplement. Et voilà. Et du coup, là, j'arrive là, j'ai ma salle de scanner et tout. C'est vraiment le panard. Donc là, il me dit pour l'eau, mais pour l'eau, je sais plus. Ah, j'ai que des bouteilles normales. Ok, on va faire attention. Donc là, qu'est-ce que... Là, j'ai ça. Hop, nickel. Donc, circuit intégré et fil de cuivre. Ok. Donc, il me faut de l'argent. Et du fil de cuivre. Puis après, on va arrêter là, parce que du coup, je vais plus avoir de ressources. Déjà pas mal hein. Alors oh non, c'est un kit de câblage, voilà. Le truc à la, je sais même plus où est le machin. Tac, là j'ai encore ça à faire, la station de modification, ça, le circuit intégré. Donc il faut fil de cuivre, or et échantillon. Ok. Corail. Et de l'or. Et après j'ai cherché de l'eau. Et c'est reparti pour du pochon. Voilà. Ah non, merde. Ah, il en faut deux. J'ai pas vu aux quantités. Comme tout à l'heure. Bon, le corail, c'est facile à avoir. Le truc, c'est qu'il faut farmer un petit peu. Tu vas dehors, nanana. Et le mieux, c'est d'avoir tout vide, quoi. Comme ça, t'en fais à l'appel et t'es tranquille. Voilà. Donc, si je fais ça. Hop. Là, faut que je fasse attention, salaud. Du fil de cuivre. Donc hier j'avais créé le truc ici et ça a planté là. Ah, ça m'a gavé quoi. Impec. Allez go. Oula, ça ramouille déjà là. On va sauvegarder. Très important de sauvegarder. Ouais, je sais. Un pochon là.
Non. J'en ai vu un autre là. Mon piège a fonctionné. Ça, je vais en mettre partout de toute façon, comme ça je vais être tranquille après. C'est pas celui que je voulais, je crois. Voilà, allez, on y go. Donc ça commence à avoir de la gueule. C'est pas mal, moi j'aime bien. On n'a pas encore tout, mais c'est pas mal. Qualité temps pour l'eau. Hein. Et après on part en expédition. Allez. Vital signs stabilizing. Voilà. Ah, alors là, on a les épaves. Des readbacks, du quartz, des épaves, des autres créatures. De l'or. Et voilà, là, on numérise et on va voir. Ah, le quartz, ça y est, il est localisé. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà faire tout ça. Des modules communs. Donc là, il manque des trucs, hein. Bon là le titia, ça je crois que je peux l'avoir, le renfort de coque. Lithium, titane, je crois que je l'ai. Voilà, module de rendement pour moteur. Si je l'ai pas, le polyaniline, je l'ai, ça j'ai pas. Le module de stockage, je peux le faire. Là, module de profondeur. Donc ça je crois que je peux le faire. Là ouais, lingot de titane, je l'ai. Hop. Donc le module de profondeur pour combinaison brown, mais j'ai pas de rubis. Amélioration de propulseur et là on... Ah, on a des armes aussi là. Voilà, torpille. Donc on a pas mal de trucs. Donc là on a du quartz, on va aller popper le quartz là vite fait. Par contre je sais pas. Là voilà. Donc là c'est plus de la triche mais Ah là. Par contre il m'a pas laissé le souffre de câble lui. Ah si, regardez. Ah. Oh. Là, il y a du quartz, mais je sais pas. Là, c'est vachement bien parce que maintenant, tu sais où est le quartz. Ouais, bah. Tu te défonces tout seul, hein. C'est pas mon problème. Hein. Donc après il y a pour la précision là. Ça c'est pour faire du titane. Oh c'est malheureux hein. Voilà tout ce qu'il y a. Pour le trouver quoi. Ah là. Moi, il y a ça qui m'intéresse. Il faut faire attention. Hein. Hop. Ce qui m'intéresse, c'est le souffle de cave. Là il en a pas laissé. J'espère qu'il en a laissé là. Non plus. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Allez on remonte. Et on replonge.
Donc il me détecte du quad par là. Faut que je trouve. Voilà, c'est pas ça. Ouais, faut encore que je prenne l'habitude, hein, pour la localisation du quartz. Là par là, il y en a pas. Il y a une putain de grotte là. Voilà. Oh, mon inventaire est plein. Bon, non, il est pas plein. Donc là, du quartz, il y en a à gogo, hein. Tout c'est de bien trouver le truc. On va se contenter d'ici là, de vider ça. Ça vaudrait presque le coup de mettre. Si ça repop ici, toi tu viens là, t'es tranquille, tu fais ton plein. Hop. Ah, l'inventaire est plein. Donc là, on est, je sais pas où. On est au sud, à 250 mètres. Hop. Donc faut garder en tête, au sud, à 250 mètres de la base. Pareil, chose intéressante, là on voit tout en bleu. Ce que tu peux faire, tu te mets ici là. Bon, j'ai déjà un Simos mais j'ai jamais retrouvé en fait. Donc je sais pas où il est et voilà. Tu peux changer la couleur, tout simplement. Et on a encore toutes les quêtes à faire annexes, hein. Je les ai pas fait, je les ai gardées pour vous. On va les faire ensemble. Donc là, hop, c'est bien, tu peux arriver par là. Welcome aboard, Captain. Hop. Et voilà. Faut faire attention à la flotte. Ah oui, c'est vrai, mon inventaire est plein. Pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? En cuivre, on en a. Ouais. On a récupéré du quartz aussi. Le titane, on va le mettre là. On a du minerai d'argent. Du caoutchouc, du soufre de cave. Voilà. Et on a la magnétite. Donc on va recréer après des trucs, hein. Hop. Et voilà. Hop. On a dit que dans le plomb il y avait des trucs, je crois. Ouais, il y avait ça là. J'avais laissé le lithium. Et on va faire une petite excursion au niveau. Pareil, là où vous voyez des léviathans, léviateurs. Enfin voilà. C'est une zone où il y a forcément un truc. Et merde, il y a forcément un truc à farm. C'est-à-dire qu'il y a du lourd. Et si c'est là, c'est pas pour vous faire chier. C'est vraiment, vraiment qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc faut insister, quitte à mourir, prenez une balise, machin truc. Mais voilà, faut le faire. Hop.
Donc la nourriture on est bien, ça c'est bon. Je sais pas ce qu'il me reste encore là à faire là-dessus. Ça c'est bon. Ah oui, il y a les fameux drones de caméra. Portée. Je crois que j'ai fait les deux là. Donc c'est quoi, attends. Amélioration de la vitesse, amélioration de la portée par celle de scanner. Ok. L'heure. Et donc là, parce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, si on a vu ensemble, là tu peux faire 2-3 bidules là. Voilà, tu peux changer le nom, la couleur et tralala. Et je voulais récupérer, c'était mon modificateur par contre. Je voulais le mettre à côté, si je peux. Parce qu'il y a Pétaouchnok le machin. Oula, pas très fort, mec. Là, on peut construire les appareils. Ok. C'est par contre, je sais pas comment. Ah, voilà. On le récupère. Là, on pourra faire une sorte de U là qui remonte pour aller avoir. On peut peut-être trouver un truc à faire là. Là, j'ai envie de le mettre là, juste à côté, pour être tranquille. Hop, on va faire moi. Mais juste à côté. Est-ce pas mal ça? Impeccable. Donc là, bon, par contre pour le quartz, c'est bien. Effectivement, c'est bien, mais il faut trouver quoi. Donc là, il y a du sel, mais ça m'intéresse pas. Donc si on prend celui-là, par exemple, allez, on va prendre celui-là. Il me dit qu'il y a un quartz, mais je sais pas où il est. Ah bah si, là, voilà. C'est cool. Bah tu laisses un petit cadeau, hein. Oui, c'est gentil, je suis pas venu pour rien. Bah du coup, hein, voilà, t'as compris, maintenant c'est vachement plus simple d'avoir du quartz. Hop. Approche. Quand même aller loin pour avoir du quartz. Hein. Est-ce que je suis dans la zone? Pas encore. Si, peut-être. Bah si, c'est ça. Voilà. 30 seconds. Merde. Et là je peux changer de pile, même si je suis à 33, c'est pas grave, maintenant j'ai mon générateur de pile, donc c'est super bien. Alors... Là, je devais être dans un truc à quartz, parce qu'il y avait ce qu'il fallait. D'où titane. Ça m'intéresse. Ah non, mais t'en vas pas. Reste avec moi. Il est où? Un peu l'heure de l'eau en plus. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il m'a quand même eu mieux. C'est des trucs de dingue. Eh, hey, c'est des kamikazes. Ah voilà. Encore? Oh mais là chez moi.
Bon là tu vois c'est un peu de la triche parce que du coup j'ai juste à me soigner et puis voilà. J'avoue que c'est de la triche mais bon. Est-ce qu'il m'a laissé un petit cadeau notre ami? Voilà, c'est quoi ça? Ah ça en est. Là il y en a. Tu sais? C'est reparti. Hop, donc du coup on cherchait du quartz. Là on est à fond, impeccable. Ça je sais pas ce que c'est. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh c'est le Simos ça. Ouais, Simos. On l'a déjà donc c'est pas grave. Putain le quartz. Non mais regarde un peu ce qu'il y a au niveau du quartz, c'est énorme. Il y a du plomb. Hop. Donc là on est vraiment dans une zone à quartz énorme quoi. Après on n'a pas la distance hein, on est d'accord. Mais on sait qu'il y a du quartz. Oh non c'est bon j'ai pas envie de TP là. Là est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Bah ouais là voilà. Donc tu sais où est la zone à quartz maintenant. C'est énorme. Il doit y en avoir hein, forcément. Forcément pas. Et après on va aller vite fait à l'île alien comme promis. J'aimerais bien trouver un petit peu plus de quartz, histoire de parvenir. Parce que là j'ai encore mon inventaire qui... Ouais ça va j'ai encore un peu de place. Bah, disons que c'est mieux que c'est mieux qu'au début parce que maintenant tu sais vraiment où est la zone à quartz et tout. Enfin quartz or et tralala. Hop là il me faut des pochons, moi je vais avoir soif. Voilà zone à pochons. Et je vais vous montrer aussi après tout à l'heure pour le... Ouais, 2 minutes. Pour le générateur de flotte là. Hop. Bon, il faut qu'on revienne au vaisseau là. J'ai pas le choix. Bon, vous avez compris le délire quoi. On fera pareil pour l'heure et tout ça, mais ça je le ferai offline. Non. Je me prendrai pas la tête. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. On va boire un coup d'eau. Et une fois que j'aurai pécho l'aérogel, je pense que je serai vraiment bien. Ça faut que je trouve l'aérogel. Comme je sais pas du tout où c'est et je sais pas à quoi ça ressemble. Il faut scanner une zone, faut que je trouve la zone, tout simplement. Vital signs stabilizing. Voilà. Et là du coup, moi je veux faire des trucs en vert. C'est pour ça que j'ai été chercher du quartz. Tout simplement on le prend. La radio il n'y a rien. Ok là voilà toute la zone là où là voilà c'est toute la zone où il y a du quartz,
C'est vraiment énorme. Il y a des nids à quartz un peu partout. Donc, du coup, j'étais parti sur... Là, je vais essayer un truc. C'est pas dit que ça fonctionne. Ça, mais en l'air. Je sais pas si ça a fonctionné. Hein. Hop. On peut tourner. Je peux le mettre comme ça. Je peux le mettre comme ça. Mais je peux pas le mettre comme je veux. Ok. Ok, ok. Là-dessus, je sais pas si on peut faire quelque chose. Je vais voir. Pas convaincu non plus. Hop. Ouais, on n'a pas l'air de pouvoir. Non, on peut pas. Là-dessus, c'était à prévoir. De toute façon, c'était pas le but, hein. Et là, on peut faire une sortie par là. Ok. Super. Ça va me servir peut-être après. Impeccable. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer. Et après, je vous spoil pas, on y va. Ah non, tu peux pas monter. Ah, mais non, on remonte. D'accord, un petit bug. Voilà. Hop. Module commun, renfort de coque. Ça, on pourra le faire vite fait. Comme ça, si je rencontre un Léviathan, lithium et diamant, je sais pas si j'ai 4 diamants. J'en sais strictement rien. Ouais, ça commence à être le fouille, là. Je sais même pas si on peut le désactiver, ce machin-là. Parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ah oui, on peut le désactiver comme ça, ok. Oui, on va y aller. Ah oui. De titane, les épaves. Ah, viens par là, d'accord. Dents de rôdeur, minerai d'argent, dépôt de sel, morceau de grès, d'accord. Morceau de calcaire, minerai de cuivre, d'accord. Il va falloir que je mange. Là, je suis à 26. 35. Ah! Voilà. 74, c'est bien. Lui, il a 100. Impeccable. Allez, on va manger après. Je vous promets, depuis le temps que je vous le dis. Ah ouais, bah lui aussi, hein, du coup, il s'est fait coincer, quoi. Hop, oh. Ah, c'est con, hein. Ça va falloir que j'en crève. Oh non, il me l'a bouffé.
Ah non, je suis pas d'accord. On va aller manger vite fait. J'ai hâte de trouver un truc pour moto nourrir quoi, sans aller pêcher du poisson tout le temps, le cuire et tout. Parce que tu peux manger le poisson comme ça si tu veux hein, aussi, mais bon, je te conseille pas. Vital signs stabilizing. Le soufre de cave, j'avais mis par là. Là, j'ai du verre. Le verre, il devait me servir. Du minerai d'argent aussi, du plomb, du cuivre. J'ai du minerai d'argent. Tiens, ça. Bon, quoi, argent. Non, j'ai pas de minerai d'argent. J'ai du plomb par contre. Bon, du diamant, j'avais pas beaucoup, il faudra que j'aille en chercher. Du plomb, j'en ai, c'est bon ça. Ça va servir. Du quartz. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Donc là j'ai une sortie par là qui peut me servir pour une autre salle, j'ai une sortie là-bas aussi. Et je vais essayer de mettre le truc par là, proche de la zone, ouais, que je le retrouve. Donc ça c'est ce que je voulais vous montrer, voilà, le piège de gravité, à gravité. Là tu le déposes, et ça fait le taf tout seul. Bah tiens voilà, tout simplement. Pour manger c'est nickel. Oh, t'en fous un petit peu partout là, t'es tranquille. Et, sincèrement, je vous le conseille Subnautica. Hein. C'est vraiment un excellent jeu. Je le redis, c'est peut-être un peu gonflant pour vous. Mais quand c'est bien, c'est, il faut le dire. Et quand c'est pas bien, faut. Ouais, faut le dire aussi. Hein. Pas de langue de bois ici. Hein. Au nombre de jeux de merde que je vous ai dit. Par contre, ce qui me botte vraiment, c'est de le reprendre bah ouais, sur PC ou PS5, tranquille quoi. Ça me botterait vraiment. Du coup, tu peux recommencer le jeu. Bon, après, tu sais à peu près où ça se situe quoi. Mais tu peux voir le truc autrement. Et après, tu peux même allonger ta zone et tout. C'est peut-être ce qu'on va faire, hein, allonger la zone pour aller sur un point stratégique et créer une autre base. Ou l'idée aussi, ça peut être de créer plusieurs petites bases. Tout simplement. Bon, après, ça te fait fermer pas mal de trucs quoi. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais prendre le vaisseau pour y aller. Ou à moins que je retrouve mes diamants. Pour la coque là. Si on peut se faire la coque, mais ouais, je crois que j'ai que 3 diamants. Il va m'en manquer. Et là j'ai de la magnétite, non bah c'est pas grave. On va y aller comme ça et on fera... On va aller à l'alien, je vous l'avais promis. Et non mais oh, c'est pas drôle ça. Ouais, entrer dans le CMOS, ouais. Et voilà. Allez, c'est hyper. Par contre, ce qu'on va faire, c'est une petite sauvegarde. Obligatoire la sauvegarde avant de partir. Donc, comment aller à l'île alien? J'ai laissé une balise. C'est pas celle-là. Bon, il y a les caméras, pour l'instant, j'ai pas besoin des caméras. Donc, c'est la balise 1, c'est la fameuse île alien qui est à 1500 mètres. Et on va aller... voir ce qu'il y a. Il y a peut-être des trucs à récupérer. Je sais pas. Parce que du coup, il y avait un Léviathan. Donc, qui dit Léviathan dit peut-être que... Et j'ai pas fait le tour de l'île. Et j'ai pas été... J'ai pas fait le tour de l'île en bateau. Enfin, en CMOS. Et j'ai pas non plus fait le tour de l'île... sur l'île. Parce que du coup, si vous vous souvenez, on a découvert une île alien. Qui a pété un vaisseau. Mais voilà. Il y a peut-être quelque chose à récupérer, des technologies ou je sais pas. À voir.
Bah, sur PC avec une RTX 370 ou 380, tu dois te faire plaisir, hein, franchement. Avec 16 Go de RAM. Et il existe aussi en VR. Si vous avez un Oculus Quest, un ou deux, vous pouvez vous faire en VR aussi. Oula, ça c'était pas prévu ça. C'est quoi ça? C'est l'île? C'est pas l'île ça. Hop, on va s'arrêter là. Il y a un truc. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a là, mais il y a. Un gros caillou là. C'est quoi ça? Ah ouais! On n'est pas loin de l'île alien, hein. Ça, ça pop aussi, ça. Ouah, c'est chaud. J'ai pas scanné, je veux pas savoir ce que c'est, franchement. Quand j'aurai un petit peu plus... Poup, un petit peu plus de trucs pour moi, peut-être, mais là, non. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça craint du boudin, quand même. Youh, bonjour. Ouais, attends, j'ai vu un truc, là. Non. Ah ouais, il est là. Ouais, non, on va éviter d'y jouer, hein. En plus, on était parti pour l'île alien, on n'était pas parti pour ça. Là, il y a un truc. Ouais. Ah, j'espère que le jeu va pas freeze, hein, parce que sinon ça va me gonfler. Si c'est ça, oh là là. Comme là, il y a une grosse bébête, c'est-à-dire que potentiellement, il y a quelque chose de fort intéressant là, tu vois. Il y a un truc comme ça là, ça veut dire quelque chose. Et là, pour l'instant, je veux pas descendre trop profond. J'en change l'atmosphère là. Hop. Hop. C'est quoi ça? Oh là là. Ils vont m'attaquer ces machins là ou quoi? Je sais pas ce que c'était le bruit, mais c'était. Wow. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais truc de dingue, hein. Wow, je me suis téléporté, gros. Ah, un truc de dingue, vous avez vu? J'ai dû toucher quelque chose qu'il fallait pas. Allez. Oh là là, le délire. En espérant que le mec il me calcule pas trop. Oh, c'est quoi ça? C'est dangereux, hein. On sait quoi ça? Sac gélatineux. Bon, j'ai trouvé un sac gélatineux. Oh là, c'est quoi ça? Merde. Ah bah ouais, bah j'y suis là. Faut que je le répare. J'ai pas le choix de le réparer. On va redescendre après. Un sac gélatineux, mais je sais pas ce que c'est encore. Hop. Oh, c'est pas mal le bug là.
trucs comme ça qui font yesh. Donc on était bien, voilà, sur l'île aux aliens. Là, on doit être pas loin de ma balise. C'est juste ça là que je veux, là, le sac gélatineux. Si je pouvais l'avoir. Merde. Putain, il est où le sac? C'est pas ça? Oh, j'en ai trouvé un. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Merde, j'avais déjà ça. Bon bah je sais pas où c'était. J'avais trouvé un sac gélatineux. Il semblait que c'était par là ou c'est plus bas. Ah c'était plus bas. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, je l'ai un peu poté. Ah non, c'est pas drôle là. Oh, ça c'est chaud. Hein. Ah, il me téléporte direct quoi. J'ai rien demandé. D'accord, ouais, va falloir vraiment que. Ah merde! J'avais pas vu ma vie! L'île aux aliens, c'est vraiment chaud quand même, hein. Faut vraiment que je renforce mon. Je vais pas réussir à l'avoir. J'aimerais bien voir ce que c'est ce putain de sac gélatineux quand même. Mais là entre le truc qui se téléporte, le machin. En plus ouais, ça devient chaud hein. Où c'est qu'il est mon machin? Là. Tac. Heureusement que j'ai un réparateur. Heureusement. Un truc qui me téléporte, je sais pas pourquoi. Allez, on retente l'expérience. Qui le tente rien de rien. Donc c'était pas là, c'était à l'autre étage. Non? Putain, c'était où? Ah oui, il est là. Alors là, non, voilà, j'ai un casque. Oh là, il y en a. Push. Ok. Je me tête à aller prendre un petit bout là, mais le truc. Et merde. Allez, on a pris
on a réussi. Ah, c'est bon ça, lâche-moi toi. On verra où ça peut nous emmener. Bon, alors, tranquillement, là, on est entre nous. Sport de ça que j'étais une... Ok. Bon, on verra. Pour l'instant, ça mène pas à un grand... Il y a un truc, là? Ouais. Je peux sortir. Ça, c'est quoi? Du lithium. Ça peut toujours servir. Donc, il y a pas mal de trucs au niveau de l'île alien, hein. Là, j'y vais tout doucement, parce que je vais pas abîmer le vaisseau. Ah, il y a une tablette violette là. Oh oh oh. J'aimerais bien faire aussi un petit tour sur l'île alien là. Hop. Il y a du lithium aussi là. Et je crois que mon inventaire il va être ouais, va tout être plein. Donc, il va falloir qu'on que je retourne sur mes pas. Je vais pas avoir le choix et on reviendra. Allez, on se casse. Pas prendre de risques. On monte à la surface et on va voir un peu où on est. De toute façon, pas besoin de savoir. Là, il y a des balises et nous, on doit aller par là. Bon, j'ai pas réussi à scanner trop de trucs, mais j'ai fait pas mal... Enfin, j'ai récupéré pas mal de trucs. Et surtout les sacs gélatineux, là. Je sais pas ce que j'ai scanné, on verra. Puis c'est bien, maintenant, j'ai les caméras. Donc en fait, en off, je peux très bien prendre les caméras et aller voir autre chose. Hop. Il y a plein de trucs à visiter par là. Si on peut, on va aller faire un petit tour sur l'île après. Là, je regarde quand même s'il n'y a pas d'éléments qui traînent à scanner. Putain, il y a des îles qui flottent quoi. Délire. Ah, lui, si. Je... Oh putain, il va falloir vraiment que j'améliore mon truc. Ah, le truc des armes, ça me botte là, franchement. Enfin, aussi, on se fait tout le temps défoncer. Là, il y a quoi là? Oh là là, on se fait tout le temps démolir. C'est quoi ça? Ah non, merde. D'accord. On sait pas comment ça tient, mais ça tient. Ok. Il y a beaucoup de grosses bestioles quand même. Hein. Ah, là, il y a un truc là. Ah, il y en a même deux là. Oh, c'est un truc que j'ai déjà, ça. Ah, véhicule de baie, ouais, j'ai déjà. Putain, avec le gros monstre, là, c'est chaud. Hein. Un petit peu de croquis en moins de deux, là. Pas trop envie de risquer ma peau. Ils épeuvent partout, c'est trop bien.
Ça, je l'ai déjà. Hop là, allez. On retourne à la maison. En plus, il va manquer de l'eau. Donc ça, les allers-retours, c'est un peu galère. D'où l'intérêt de peut-être faire une base, peut-être pas d'un kilomètre, quoi, mais... Quoique, ça pourrait être intéressant. Un kilomètre de tuyau, comme ça, tu peux plus te faire attaquer. Qui relie... Mais bon, voilà, après... On n'est pas si loin, en vrai, hein. Avec le Simo, ça va assez vite. Je sais pas ce que j'ai éclaté, mais ça s'éclate rapidement quand même. Petit jump. Et je suis sûr qu'il y a d'autres véhicules aussi à faire. Il n'y a pas que celui-là. Même si celui-là est très très bien, je reste persuadé qu'il reste d'autres véhicules à faire. Hop. Et voilà. Welcome aboard, Captain. Ouais. Alors. Ah oui, ça je peux le faire. Ok, super. Personnel, ressources. Bon, je vais mettre dans mes trucs dans mes trucs à bizarrerie. Voilà. Ça c'est quoi? Lithium, lithium. Ça je vais mettre ça à côté. Du verre. Ah, j'ai mon truc qui est activé, donc c'est à dire qu'il a... Corail, titane lubrifiant, quartz, argent. Il me semble que c'est de l'argent. Ouais, c'est de l'argent. Et voilà, ça c'est fait. Ah, le plomb, je l'ai pas mis. Voilà, ça gueule là. Oui, on y va. On va chercher ce qu'il faut. Santé pour l'instant là. Il va me faire chier là, lui. Ah, moi j'ai mon truc. Ouais, là, nickel. Ah, il veut pas que j'attrape. Par contre, c'est l'eau. Faut que je trouve un pochon. Au pire, j'ai une bouteille d'eau, quoi, mais... Ce serait bien que je trouve un pochon. Et si j'en trouve pas, bah j'ai mon eau. Là, je trouve aucun pochon pour le moment. C'est du délire. Un caillou qui flotte. J'ai pas trop le choix là. Après, on aura peut-être des modules auto-commandés pour ramasser des trucs, hein. Possible aussi, hein. Puis qui nous le ramène. Et merde, qui nous le ramène, hein. On y va. Hop.
Il faut que je trouve comment on fait l'aérogel. Là, franchement, je ne sais pas. Hop, on va boire un petit peu d'eau. Voilà. Ça, je sais pas ce que. Graines de mauvaise herbe. Ah oui, c'est vrai, c'était pour aller là-dedans. Je crois que comme je consomme rien pour le moment. Ah si. Voilà. Ça a commencé à servir. Bon, heureusement que eux ils nous font pas de mal. Après on a encore les trucs à aller voir là dans les navettes. Je les ai laissés exprès pour vous. D'accord. Putain. Faut que je remette mon casque. Voilà. Il fait où les poissons? Pas de pochon par là. Hein. À crever de soif. Bleh. Ça pour faire de l'huile, c'est pas mal. Ah, inventaire full déjà. Bon, les deux pochons et on se rentre. Pas m'en donner hein. Oh, y a un rôdeur là. En parlant de ah, faut que je pense à me soigner aussi. On y va, on y va, on y va. Même ça, je pense qu'on va pouvoir l'augmenter aussi. Hein. Il va y avoir des trucs à gauche, à droite pour. Ah là. Ah, évidemment. Voilà, on va un. Oula. Trop de rôdeurs là. Donc je vous rappelle, hein, la balise 2, c'est la fameuse balise où t'as le chargeur de pile et tu récupères pas mal un truc de compartiment. Donc allez-y. Hein. Là, il y en a un. Et voilà. Faut juste que je retrouve ma base maintenant. Évidemment, attends là. J'ai mon Simos. J'en cherchais, j'en trouvais pas, et maintenant j'en cherche. Ouais, bref. Tellement d'améliorations à faire, tellement de trucs, faut penser à tout. Caoutchouc en silicone et lubrifiant. Faire un et un en fonction de ce que j'ai. Le caoutchouc, ça nous servira forcément un moment. Et voilà.
faire la flotte. J'avais pas de poisson. Sauf que j'avais un poisson. Ça pour me soigner, c'est impeccable. Vital signs stabilizing. Donc, on a du lubrifiant. Et le caoutchouc, il est pas par là. Il doit être par là. Voilà. Le truc à quartz, il est plein ou pas? Ouais, il peut prendre mes 4 verres. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Hop. Faire le plein, puisque du coup, là, on va aller voir un vaisseau qui s'est éclaté. On a de la santé, on a tout. Allez, on repart. Et après, on arrête là. On va aller faire une zone. Donc, un vaisseau qui s'est éclaté. Et puis ça sera bien. Donc là, capsule de survie. Allez, c'est parti, on va faire celle-là. La capsule de survie qui est ici. Donc elle a 300 mètres, donc c'est à dire qu'il va falloir que je fasse 200 mètres avec le CMOS et 100 mètres tout seul. Donc là il y a des zones encore que j'ai même pas explorées, celle-là ça me dit rien. De toute façon il y a des trucs à voir là. Hein. Là c'est quoi ça? C'est peut-être du quartz. Hop, on attend. J'ai pas mis le détecteur de quartz mais... Voilà, quand t'as une petite mission, tu remontes. Donc là tu peux remonter avec L et R. Left pour monter et right pour descendre. Donc gauche et droite. Là j'ai pas vu. Hop, c'est ça qui fait le plaisir du jeu en vrai. Ah tu vois là il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, hein. Sauf que j'ai déjà scanné. Hein. Ah, bioreacteur, moi je l'avais déjà. Ok, c'est pas grave. Bon, moi tu sais où se trouve le bioreacteur. Ça pop pas mal quand même. Hein. Tu trouves pas mal de trucs à gauche, à droite. Je sais pas pourquoi il vient de se frotter, peut-être la lumière. Là, tu te mets en hauteur, tranquille, et tu regardes un peu la zone. Ça, je sais pas ce que c'est. Non, ça. Merde, là. Caché dans les herbes. On a fait à peu près le tour de la zone, à moins qu'on voit autre chose, mais... Oh, c'était pas celle-là qu'on était parti. Bon allez, vas-y, on va faire la capsule de survie 13, et puis voilà. À 175 mètres. On était pas parti pour celle-là, mais bon. Des trucs à scanner ou pas. Non. Peut-être. Il y a un truc altéra mais non. Ça, du réacteur j'ai déjà. Oh, il y a du quartz là.
Du coup, on était parti pour ça. Donc là, t'as encore un truc de bioréacteur. T'as quand tu vas avoir le truc pour tout péter là. Parce que du coup, après, il va y avoir des putains d'armes, un truc du genre, ou des putains de tools pour tout péter. Ça veut dire que le jeu, il est pas fini. Hein. Quand tu vois les gros morceaux qui sont là, que tu peux pas casser pour le moment. Ouais, du coup, c'était parti par là, moi. Ah non, mais attends, il y en a combien là? Non, j'étais parti sur un truc à 175 mètres, ouais, c'est ça. Là, il y a une capsule, je vais aller voir. Ah bon, je l'ai déjà faite. Hop. Lui, il peut rester là. Bon, je crois que la capsule, j'ai déjà faite quand même. Ça, c'est... Je sais pas. Un fragment du CMOS, ouais. Ok. Y a rien là-dedans. De toute façon, on peut pas le réparer. Ça, on peut pas le faire. Y a rien. Alors, 175 mètres, c'est ça. Attends, là, t'as un truc là? Je sais même pas si on peut... Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Encore un fragment de CMOS. Donc c'est une zone que j'ai dû faire. C'est quoi ça? Salle de scanner, bah pareil. Bah tu vois, il faut vraiment venir partout. Parce que là tu vois, je le retrouve X fois encore. Là ça va rien me donner. Je crois qu'on peut pas rentrer dans celui-là. Oh, les bruits que t'entends, ça fait peur. Je vais bien me faire attaquer comme tout à l'heure. Oh, la téléportation de tout à l'heure, c'était chelou quand même. Ça c'est fragment salle de scanner, mais j'ai déjà. Puis un petit bras avec le CMOS là pour pouvoir éviter de sortir, hein, récupérer carrément. Oh, ça va être trop bien. Si ça se fait, hein, je sais pas. Par contre, je sais pas, ça doit être par là, je crois. 175 mètres. Ouais. Allez, on y va. Parce que du coup. De voir après améliorer le CMOS pour aller dans les 300 mètres. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Ah ouais, dans cette zone là. Oh là là, là-dedans il y a un Léviathan aussi là. Oh, c'est chaud. Hein. Par contre, très très important, pensez à prendre des balises. Là, je le fais pas, mais je vais le faire. Là, j'ai vu qu'il y avait... je sais pas ce que c'est, ça, du plomb. Non, du lithium. Ah ouais. Ah non, je suis pas encore... Ah oui, je peux peut-être mettre mon masque. Je sais pas comment on rentre. Ah oui, là. Ah! Seek fluid intake. Il va me faire chier jusqu'au bout avec son absorption d'eau là. Données végétales, capsule survie, la mission. Ok, donc là on en a fait une et il n'y a pas grand chose.
Je sais pas ce que le PD va nous apporter, mais... On a fait la capsule de survie. C'est déjà ça. Bon, ça a pas l'air d'être méchant, le truc, là. Hop. On en a fait une. Là, on va pouvoir revenir au vaisseau. Et ça va être bien. Bon bah du coup il n'y a pas grand chose dans celui-là. 93, impeccable. Je sais pas ce qu'il apporte le bouquin là. Donc là il n'y a rien. Il me dit que j'en ai 5. Ça comme ça j'ai pas encore trouvé. Appareil de filtrage à eau, mais j'ai pas l'aérogel. Donc je sais pas comment faire. Voilà tout ce que j'ai à faire là. Ah bah ouais j'ai la lame thermique. Le réservoir léger. Les palmes aussi. Qu'on va voir. Ouais, est-ce que j'ai le truc à amélioration que je voulais créer. Je voulais faire une salle pour les petits tools comme ça là. Mais j'aimerais bien retourner sur l'île alien. Petit voyage. Le CMOS, franchement, c'est une beauté. Ah, ça t'évite de le faire à Yep. Oh là. Ah bah non, mais je crois que je vais pas pouvoir. Ah si, peut-être. Plein de pochons, là. Eh, venez par là. Ah, l'inventaire est plein, évidemment. Eh, je trouve plein de pochons, évidemment. Après les allers-retours, c'est les joies du jeu. Hein. J'ai une caméra 2 qui est. Ah oui. Les caméras sont l'une à côté de l'autre, donc on est tranquille là-dessus. On n'est pas loin de la base là. Oui, on y va. On est à 100 mètres là, hop là. Hop. Hop. Et voilà, tranquillement. Parce que du coup j'aurais plus besoin de venir là pour cuire, je peux carrément manger sur avec le truc. Non c'est pas ça qu'il me faut. C'est pas non plus ça. C'est ça. Là, j'ai vu que j'avais le droit à un couteau thermique. Truc de dingue. Un couteau thermique. Vital signs stabilizing. Hop. Ça c'est minerai d'argent. Oula. Ça c'est du plomb. Et j'ai du quartz, ok. En quartz ça va être pareil, je crois que je vais être full. Ouais, je suis full. En plomb, j'en ai un seul. Donc il y a des ressources, tu vois, tu les as rapidement, mais il y en a d'autres, c'est un peu galère. Là j'ai du minerai d'argent, l'argent c'est là. De l'argent, j'aimerais bien en avoir un peu plus quand même. Ça me ferait plaisir. Hop. Encore de la place pour ça. Bah après, ouais. Voilà. Je vais faire du verre. Hop. Tac 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 tac, là j'ai du verre, j'ai du quartz, ok. Du coup, si on prend ça, on fait ça, et si on recrée une salle multifonction par exemple. Là-dedans, je sais pas ce que ça pourrait donner.
Compartiment avec une vie à 360 degrés, de très faible intégrité structurelle. Il faut du verre émaillé et du titane. Et ça se souvient, parce que du verre émaillé, j'en ai. Un quartz, là. Ça va me faire un peu de place. C'est avec les dents de machin truc que tu fais du verre émaillé. Hop. Et du coup, on a dit quoi encore? Si je veux faire une salle comme ça. Mais je crois que après, une fois que tu fais une salle comme ça, je sais pas si on peut faire autre chose derrière. On verra, puis on le déconstruira si ça ne plaît pas. Du titane. Oui. On y va, on y va. On va chercher de l'eau. Est-ce que j'avais créé? Ouais, j'avais créé ça. Donc on pourrait faire un truc là. Parce que ça donne. C'est parti. Ça c'est fait. Oula. Ça ramouille un peu, hein. Légèrement. Bon, on a notre salle. Ouais, enfin là c'est surtout pour... J'aimerais bien avoir c'est des pochons comme d'hab. Bah vite un pochon. Ça me galère de pas en trouver. Je vais faire une séance de farm de pochons là. Je vais me faire une armoire à flotte. Parce que de pas en trouver, ça me gave. Il y en a. Voilà, et j'en avais vu un là. Deux. Ah, franchement, c'est archi reposant. Oh, c'est chill quoi, c'est tranquille. Après, là faut aimer, hein. C'est super important. Après, faut aimer tout le temps farm, tout le temps chercher. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Après, vous avez le choix de le faire vraiment en mode easy sans la difficulté quoi. Donc, c'est à dire que toute cette partie là où tu vas chercher à boire et tout ça, tu le fais pas. En gros, tu vas poncer le jeu rapidement quoi. Bon, je pense que. Toute cette partie là où tu perds des heures et des heures à chercher de la nourriture et tout. Bah là, tout ce que je fais là, toi t'as pas besoin de le faire quoi si tu prends le mode easy. Là j'ai deux pochons. Mon piège avant, elle est... Mon piège, je l'avais mis là dans le coin, il est où? C'est ballot, ça. Là, je suis à côté du poisson et j'arrive même pas à l'avoir. Bon, bah, je sais pas où il est, mon truc. Ah, où il est, là? Ah, on veut un troisième pochon, si j'arrive à l'avoir. Oh, c'est meilleur ça. Troisième pochon. Pour profiter pour se servir à manger. Voilà. En plus, on a notre belle pièce qui a été créée là. Chaque fois, je veux faire des ressources avec du poisson.
On en a fait 3. Hop. Vital signs stabilizing. Et voilà. Donc là, on a notre belle pièce. Franchement, 360, ça claque. Hein. Et du coup, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas. C'était ça. Et j'avais accès à une table de modification de mémoire. Donc il faut un circuit intégré. Oh, du plomb, du diamant. Je crois que du diamant, j'en ai plus. Du diamant, je crois que j'en ai plus du tout. Ouh. On va essayer de le faire, mais je suis pas convaincu. Hein. Non, c'est pas là-dedans. Ah, si, j'en ai un. Et il me reste un pochon. On va essayer de se créer la table. On va la mettre là. Hop. Donc la table, il faut du titane, du diamant, du plomb. Et après, il va me falloir le circuit intégré. Mauvaise manip de ma part. Voilà. Du coup, pour faire le circuit intégré, il va me falloir plein de trucs. De l'or, de fil de cuivre et de corail. C'est le corail, il va falloir que j'aille le farm aussi. De corail, du fil de cuivre. Ça, ces armes-là, franchement, c'est archi bien. Hop. Et il me faut un brin d'or. Voilà, comme ça on peut faire ce qu'on veut. Franchement, c'est nickel. Et voilà. On va mettre la table d'amélioration là, si on peut. Ouais, je sais pas si on peut. Hein. Mais on peut la construire là, puis si ça nous plaît pas, on la met ailleurs. Hein. Allez, c'est parti. Voilà. Donc une pile. J'ai un nouveau couteau. Voilà. Nickel. Donc qu'est-ce qu'on peut créer? Un léger réservoir de haute capacité. Lingot de plastacier. D'accord. Palme ultra glissante. Module de profondeur pour Simos. D'accord. Il nous faut pas mal verre émaillé. Ok. Module de profondeur. Donc tout ça pour avoir ensemble. Ça, je crois que je peux le faire. Lingot de plastacier. Mais les lagots de plastacier. Lagots de plastacier. Tac 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 tac. Je crois que c'est au début ça, les lagots de plastacier. Non? Ah non, c'est ça. Ah, c'est du lithium et des lingots de titane. Lithium. Du lithium, j'en ai là. Je sais pas trop ce qu'il me demandait. Je sais même plus ce que je voulais faire d'ailleurs. Ah. Lagot de plastacier, voilà, c'est ça. Oui, on peut sauvegarder pour changer, pour éviter de perdre tout. Mais je sais pas si je peux les faire, les lagots de plastacier là. Parce que... Ah oui, là. Ah non, lithium x2, d'accord, c'est pour ça que je l'avais pas.
Oh non, reviens Maurice, on n'a pas fini. Là, voilà. Qu'est-ce que c'est joli. La combinaison des trucs. Non. Réservoir O2 haute capacité, bah je l'ai. Ah mais si je suis équipé, je vais pas pouvoir le faire. Ah, déséquipé. Et voilà. J'en ai un nouveau. Bon, je suis passé à 135. Et je suis équipé. Donc, la conception plus légère permet une meilleure maniabilité. Ah bon, on verra ce que ça donne. Hein. Palme ultra glissant, titane, lithium. Oh, caoutchouc, silicone, j'en ai. Lithium, j'en ai. Les palmes, j'en ai. caoutchouc. Lithium, j'en ai un aussi. Je crois qu'il en faut les quarts. Hop. Bon là ça fait chier parce que du coup faut courir à gauche à droite mais voilà. Hop. Comme je l'ai dit, et les palmes. Ok. Il suffit que je me déséquipe de mes palmes et je vais avoir des palmes ultra glissantes. J'aime bien parce que dès que tu sais que tu vas créer un truc, écoutez la musique. Hop. Et voilà. Il se passe un truc, c'est énorme. Voilà, voilà. Bon, du coup, on a tout et on doit être équipé. Voilà, super. On sauvegarde. Et voilà, donc on va se laisser sur cet épisode-là. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. C'était Subnautica, le let's play en VOD. Donc, je repose la question, mais si vous voulez voir Subnautica, qu'on puisse en discuter ensemble en live, soit on le fait sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas à nous le dire. Salut sur la Gata TV. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.